Yes, une grosse perche en direct. Waouh, la Masta. Yes, il y en a une deuxième très grosse derrière. Mais là, celle-là, elle est déjà de belle taille. Ouf, elle s'est décrochée toute seule en plus. Là, oh, c'est un poisson qui fait 37 à peu près. Yes, très très beau poisson. Hop là, nickel. Encore. Yes, encore un. Hop là, voilà. Coucou mon petit pépère. Bah toi, tu t'es fait avoir par le blanc. Eh oui, le blanc le soir, c'est pas mal. Oh. C'est décroché nickel. Attends, on va sortir le leurre. Hop là. On va te laisser un petit peu dans l'eau. C'est prévu pour. On va essayer de pas s'en mettre le leurre dans les doigts. Bon, attends. Et... Ah, punaise. C'est ça, il veut pas. Non, mais c'est qu'en fait, je crois que le fait de les laisser dans l'eau, ils se mettent pas en mode tétanie. Parce que le brochet, dès qu'il est hors de l'eau, il se calme un peu. Ou pas. Arrête de te... Mais punaise! Et voilà. Ah, mais j'y arrive plus. Il y a... Je crois que je vais arrêter l'épuisette parce que ça me saoule. Bon bah voilà, encore un brochet. Yes, voilà, un petit chevesne. Repéré, lancé. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre qu'il gobe. Bon, la touche est venue très rapidement. Lui, il était bien au taquet en attendant ce qui tombait dans l'eau. On va vite le décrocher. Ah, il grogne comme l'autre, dis donc. J'ai l'impression qu'il gobe de l'air à chaque fois qu'il gobe le hood loose. Voilà, un beau petit poisson. Tiens, il a mangé des fruits. Ah, je vous expliquerai peut-être un jour comment savoir ce qu'a mangé un poisson. Mais là, en l'occurrence, les chevesnes, comme ça, quand vous voyez, il y a une sorte de liquide foncé qui coule. C'est soit qu'ils mangent des murs, soit qu'ils mangent des petites baies, etc. Et en l'occurrence, c'est des petites baies rouges un petit peu plus haut dans le cours d'eau qui ont tendance à tomber à cette époque-là de l'année. Et à mon avis, ils sont en train de s'en gaver. Voilà. Lunette polarisante. C'est quoi ça comme leurre? C'est gambit, non? Oh, poisson! Petit bec. Non, petite perche à mon avis. Petite perche? Ouais. Eh non, je suis pas sûr. Si, petite perche. Petite perche? Ouais, je sais même pas si je filme. Ah bah si, je filmais. Petit vin. Petite perche avec ce Manu. Oh là! Ouais, je vais faire gaffe parce que les ST26 chez Owners, ils sont méchants. Attention. Oh la vache, comment elle a fait? Ah d'accord, c'est que elle s'est piquée et après s'être piquée, elle a tourné. Non, en fait, en gros, il y a un... Ça fait un truc bizarre dans la bouche. Voilà, c'est bon. Hop là. Zizi perche. Vraiment, là. Oh, il y a un pigeon qui s'est fait plumer, lui.
Hop là, voilà, avec le petit squirrel. Bien nerveuse la mémère. T'as sur le coup, elle m'a mis une petite tape, j'ai rien compris. Et puis après, j'ai senti le zzzz au bout de la canne. Je me suis dit, oh, là. Je croyais que c'était un petit bec. Après, je voyais un petit bec de 39. Ouais.